Salut à tous et démons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Remake. Désolé, je suis un petit peu. J'ai des cannes de toux là depuis tantôt là. Elle me déchire littéralement la gorge. On continue. Fais voir. Non mais, oh, qu'est-ce que tu fous? Oh. Wow, sacré jambon. J'ai jamais eu aussi honte. J'appelle pas ça être touché. La balle est passée tout près, alors ton pantalon a un peu cramé. Pas de quoi s'inquiéter. T'as du pot. Une petite brûlure. Elle aime taper les fesses. Ça creuse les émotions. Ah, oh, tu ris, Cloud? Ah ouais, ça arrive. Il faut y aller. Ne perdons pas de temps. À tes ordres. Comment on va faire pour rentrer au bidonville? Il y a un truc que j'avais envie de tenter depuis longtemps. N'empêche, je pensais pas qu'on tomberait sur la faction principale. C'était un hasard? Ouais, et ça nous arrange pas. Ce quartier est fermé pour des raisons de sécurité. C'est toujours le bordel. Les civils sont priés de rester chez eux. Merci de bien vouloir retourner chez vous rapidement. Il me semble avoir entendu le mot attaque tout à l'heure. Me dites pas que c'est encore une attaque terroriste. Il s'agissait d'une fausse alerte. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez pas garder vos véhicules à cet endroit. Veuillez rentrer chez vous, s'il vous plaît. Je vais bientôt devoir sortir, moi. La circulation est fermée. Les civils doivent rester chez eux. Elle court chez nous quand même. Hey, venez par là. On sera plus tranquille. Mais où est-ce qu'on va là? Tu verras bien. Je vais pas te gâcher la surprise. J'ai réussi à mettre la main sur mes explosifs. Avec ça, la prochaine mission devrait se dérouler nickel. Ouais, espérons. J'espère que ton père pourra guérir rapidement. Hey, chut, parle pas de ça. Quoi? Cloud, il aurait bien aimé manger de la pizza lui aussi. Hein? Vous êtes bizarres, les gars. Pas du tout. Hein, t'avais envie de manger de la pizza? Oui. Dans ce cas, c'est moi qui me mettrai au fourneau la prochaine fois. Ce serait super! Ouais, super génial! Oh, une matéria. Toujours prendre les matériaux. Résurrection. Oh oui. Alors, 2 secondes. Équipement. Ah non, attends. Inventaire peut-être. Matériel. Fais voir. T'es où? Là. Peut être utilisé. Matériel permettant d'utiliser des sorts de résurrection. Oui, mais. Ça pue. Ça doit être par ici. Voilà. Mon père m'en avait parlé, mais je dois avouer que j'avais quelques doutes. Je suis soulagée de voir qu'ils sont là. Des parachutes? Hein? Tout reposer là-dessus alors que t'en étais pas sûr? Oh, ça vaut le coup de tenter quand il y a une chance sur deux. J'ai hâte de sauter! Les gars, merci pour le coup de main. J'y serais jamais arrivée sans vous. N'oubliez pas. Tant qu'on n'aura pas fini la mission, Barrett et Tifa doivent rien savoir de tout ça. Je veux pas qu'ils s'inquiètent, c'est assez dur comme ça. Ouais. Allez, on s'envole! Cui-cui! Cloud,
Ramène Wedge chez lui. Ok. Ah, j'ai failli oublier un truc. Cloud ! Mais ça va pas, non ? Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Mais tu veux nous faire tomber ou quoi ? Et c'est toi qui dis ça ! Pour le reste de ta paye, passe me voir chez moi quand on sera rentré. Mais je sais pas où t'habites. Non mais attends, je suis pas prêt. Tant pis. 30 secondes, allez, sois un frère. Non, on n'a pas que ça à faire. Aimer vous aider un peu plus. Je suis trop maladroit. T'en as fait assez. T'as failli prendre une balle pour nous. Tu peux en être fier. Ouais. Là, y a pas à dire. On assure grave. En ce moment, c'est vrai, ouais. C'est grâce à lui, tout ça. Ouais. Tant qu'on est ensemble, on est capable de tout. Elle est un peu chelou quand même, hein. Il est possible de tirer des nouvelles musiques pour le jukebox dans la mécanique et le distributeur automatique. Bon, sérieusement, je suis pas fanat de... forcément, la musique et tout ça. C'est gentil, mais sans plus. T'inquiète, je peux très bien rentrer tout seul. J'ai eu un peu chaud aux fesses, c'est tout. C'est bon, je vais te raccompagner. T'es gentil. Arrête de couiner. C'est par ici. Vas-y, je te suis. Tu crois que Jesse et Biggs sont déjà rentrés? Je sais pas. Tu veux bien qu'on passe voir chez eux? Oh. Hey, c'est sur notre chemin. Ok. Ah mais non, ah si. Je sais pas si j'en ai fini Cloud, assez. Je compte sur vous pour toujours m'aider à avancer dans mes recherches. Acheter. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Oui. D'ailleurs, parlons de ça. Non, 2 sur 4. État de choc 1. État de 10 bars hein, en utilisant la compétence spéciale sur des ennemis en état de choc. Oh là, attaque anticipée. Charger un total de 10 bars de la jauge d'ATP en utilisant une compétence spéciale des ennemis. Mais non, mais celui-là, je suis connard. Faites entrer 15 spécimens d'ennemis en état de choc. Ah oui, oui. Enfin bon, on verra bien. C'est ici, chez Biggs. On dirait bien qu'il n'est pas encore rentré. Apparemment. Il doit encore être en pleine réflexion. Et il fait toujours le point après chaque mission. Il cogite tellement qu'il en a de la fièvre, parfois. J'aurais pas cru. Ça m'inquiète un peu, quand même. Mais bon, allons voir chez Jesse, maintenant. Bon, en gros, c'est pour me dire que Wedge, il habite là, et Jesse... Mais bon, honnêtement, vous croyez franchement que je... C'est ici qu'habite Jesse. Par contre, les hommes n'ont pas le droit d'entrer. Elle vit en coloc avec d'autres aspirantes actrices.
Va pas essayer de t'introduire en douce, surtout. T'inquiète. Et au cas où, il faut que je te prévienne. Elles adorent toutes les ragots. Elles sont pas au courant pour Avalanche ? Non, ça va. Et Jessie est bonne actrice. Ah ! Encore un petit conseil. Tu devrais pas trop la prendre au sérieux, tu sais. De quoi tu parles ? Mais bon, toutes les femmes sont des comédiennes. T'as entendu parler de ce travail top secret dans le réacteur Mako ? J'ai cherché du boulot dans le secteur 5. Du calme, Flo-Flo, Giba, Patty. Venez faire coucou. Aujourd'hui, c'est eux trois qui montent la garde. J'y vais. Merci de m'avoir ramené. Je t'en prie, et soigne-toi bien. Ok, mon frère, c'est gentil. Si tu pouvais éviter de m'appeler comme... N'ayez pas peur, tout va bien. Il est gentil, vous verrez. Comme un frère. Voilà, voilà, c'est bien. C'est les chats à papa, ça. Ok, bon. Oh, c'est mes petits chats, ça. Ben alors, Flo-Flo, faut pas bouder comme ça. Je vais chercher du boulot dans le secteur 5 demain. Un truc pour les autres. T'as entendu parler, ce soir ? Tu l'es même sans rien du tout. Ah, te voilà enfin, Cloud ! Je me disais bien que t'allais pas tarder. Alors... Tiens, c'est ça. Tu l'as bien mérité, monsieur le mercenaire. Et attends un peu, ça n'est pas fini. Oh. D'accord, super. Tu veux bien me lâcher ? Bon, alors, tu repasses me voir demain soir. Je serai toute seule, mes collègues seront pas là. Franchement, je vois pas ce que t'attends de moi. Bon, allez, lâche-moi, s'il te plaît. Et si je te lâche ? Tu viens ? Je t'attends demain soir. T'es lourde, tu sais. Je vois. Je t'aurais pas comme ça. Il va falloir que je change de tactique. Faites vos rêves. La folle dingue. Mais pas trop. La question c'est, est-ce qu'il y aurait des nouvelles épées ? Y a pas... Attends. Non. Ouais. Et tout, c'est pas possible. Bon. C'est grâce à toi, le mercenaire le plus réputé de tout le secteur, si je reçois de plus en plus de commandes pour des épées géantes. Mais il a que de la merde. Pardon. Il a pas d'épée. Bon. Règle du bidonville. Ok. C'est là, oui. Bon.
Ouais, on est comme ça. J'ai pas sauvegardé, tête de nœud. Ouais. Tu t'es absenté longtemps. Je me promenais. Au fait, j'ai revu Johnny. Il se prépare à quitter Midgar. Ah, ouais, je vois. Mais toi, Cloud, tu comptes bien rester en ville encore un peu? J'ai une vieille amie ici qui a l'air un peu perdue. Si elle a des problèmes, je voudrais l'aider. Je lui ai fait la promesse. Les problèmes que je m'étais imaginés à l'époque n'étaient pas du tout de ce genre. Si tu veux en parler, je t'écoute. Mais... je rêve ou t'as vraiment changé? Comment ça? T'es devenu plus aimable, on dirait. Et c'est bizarre? C'est plutôt bien. Je pense que même Marlène n'aura plus aussi peur. Maintenant que je sais que tu vas rester là, je suis soulagée. Je tombe de sommeil. J'aimerais encore discuter. Mais je crois qu'il vaudrait mieux qu'on dorme un peu. Ouais. Bonne nuit, Cloud. Bonne nuit, Tifa. Bonne nuit, Tifa. Viens! Dépêche-toi! Oh. On allait partir pour la mission, mais ces créatures nous ont attaqués! Et les autres? Barrett et Jessie sont en train de se battre, mais là, je sais pas si ils vont venir. On va les rejoindre. Ok. C'est un cauchemar, c'est un rêve, c'est... T'es prête? Quand tu veux! Juste enlever tes matériaux. Ah, merci. Merde. J'ai tout enlevé. C'est un peu con. Bon. Alors, je me souviens... Alors, elle avait chakra. Pardon. Oh putain. Désolé de vous casser les oreilles avec ma toux parce que... Ensuite... je lui mettrai bien foudre, mine de rien. Ensuite... elle avait auto-guérison, auto-soin, voilà, merci. La question c'est... Est-ce qu'on peut lui mettre résurrection? Voilà, on va dire ça comme ça. Ok. On va laisser comme ça. Hein. Là, je peux rien y mettre. Là, j'ai que les frites, donc c'est mort. Bon. Allons-y, allons-y. Gaiement. De toute manière, je ne peux pas sauvegarder. Donc, j'ai pas trop le choix. Allons-y, Nova. Oui. Et pas
C'est pas ce que je voulais faire. Compétences, analyse. Ça m'arrangerait bien un peu. Je prends les devants. D'accord. Illuminiser, absorption, faiblesse, altération. Il n'y a aucune. Les jauges de choc augmentent rapidement lorsqu'elles subissent des attaques magiques. Les attaques n'ont presque aucun effet. D'accord. Donc il faut masse. D'accord. Jamais réussir avec ça. Un peu de droit. Je t'attends. Tu vas te rappeler, toi, y'a. Ces trucs-là. Je sais pas trop. Ils deviennent visibles quand on les touche. Mais à part ça... Même les soldats ne savent pas. On sait au moins. Tiens, putain. Bon. On n'a pas vraiment le temps. Il y a un autre chemin ? Par là. Ici aussi. On dirait qu'ils veulent nous empêcher de passer. Cloud, par ici. Te laisse pas emporter. T'inquiète, je te suis. Pardon. Yeah!
Jesse, tu t'en sors ? Plus ou moins. Ah ! Merde ! Jesse ! Merde ! Cobaret parle, ce n'est pas pour rien. Dans un tel dépotoir, ça m'étonnerait même pas que ce soit une nouvelle espèce de mutant. Je te jure, c'est la faute de ces réacteurs. Ça va aller ? J'aimerais te dire qu'il n'y a aucun souci, mais bon... Oh. Ça commence à être un peu gênant. J'arrête pas de t'obliger à venir à mon secours. T'en fais pas. T'es cool. Hein ? Qu'est-ce qui t'est arrivé à la jambe ? T'as pas trop mal ? Pas de quoi paniquer. Je sens presque rien. Quand même, il vaudrait mieux que tu te reposes un peu. Je peux pas. Oh. Oh. T'es pas en état. Tu vas tenir la boutique. Hein ? Comment on va faire pour la mission ? Biggs s'est déjà infiltré, je te signale. Tu veux quand même pas qu'on annule maintenant ? Je ferai ta part du travail. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Dans ce cas, c'est moi qui vais devoir mettre les bouchées doubles. Dis-moi, tu serais prêt à partir maintenant ? Oui, mais prévois un bonus. Ok, pas de problème. C'est réglé. Cloud, viens avec nous. On peut reprendre la mission. Je compte sur toi pour mettre une belle pagaille. Wedge, tu vas t'occuper de Marlène et Jesse. Hein ? Mais je suis en pleine forme, moi ! Y'a qu'à toi que je peux demander ça. Prends bien soin d'elle. Bon, c'est reparti pour un tour. On va détruire le réacteur numéro 5. On se prépare chacun de son côté, et on se retrouve à la gare. Prends ça pour tes faux frais. Et t'as pas intérêt à venir te plaindre du montant. Ah, ça s'enlise, c'est bien ça. Monsieur le soldat. Bah vous savez quoi, je trouve ça kiffant d'avoir les voix françaises. Alors, on peut sauvegarder, cool. Parce que là, franchement, j'ai envie d'arrêter. Alors, j'ai envie d'arrêter, mais non pas parce que j'ai plus envie de jouer au jeu, mais j'ai juste envie d'arrêter parce que je suis fatigué, tout simplement. Et que, voilà. Écoutez, c'est très très... Alors, c'est un peu chelou, cette histoire avec les fantômes, machin, bidule. C'est un ajout, pourquoi pas. C'est sympathique. Mais, ouais. À voir. Sur ce, les démons, je vous laisse. On continue l'aventure, bien évidemment, une prochaine fois. Et je vous dis à la prochaine. Bah, une fois à la prochaine, d'abord. Allez, ciao, bye. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like. Si tu veux continuer à regarder des vidéos sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux une notification à chaque vidéo ou à chaque changement de la chaîne, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller sur le Tipeee. Et ainsi, soit en donnant directement ou en regardant une vidéo qui me permettra de gagner 3 centimes à chaque minute regardée. Sur le Tipeee, tu pourras avoir des news sur ce qui peut être fait,
Et si tu as été tipeur, tu auras des news exclusives. Alors je te dis à la prochaine. Bon jeu à toi.